Et on commencera par le membre du jury.
suis dans la compagnie pendant 4 jours et j'appelle d'abord M. Jean-Louis Niégé, meilleur ouvrier de France. Pour continuer, M. Jacques Tuya, meilleur ouvrier de France. Monsieur Yves Desgranges, artisan boulanger. Et dans cette liste, je ne vous dirai pas notre ami Louis Sylvestre qui est vraiment du jury et qui nous a bien aidés. Alors, effectivement, ceux qui sont les plus impatients, et en tout cas ceux qui ont travaillé le plus durant 7 jours, c'est les fameux participants à cette coupe. Et je vais commencer à appeler par ordre de passage M. Frédéric Delallée. Alors M. Delallée est chef boulanger à Montpellier. Il est titulaire du CAP, du brevet professionnel, du brevet de maîtrise. Il a participé au concours des meilleurs jeunes boulangers de France en 2001 et aux Olympiades des métiers en 2005. Voilà, le record de l'année du président, comme d'être aux deux diplômes de participation. La petite de notre famille. Et on remercie Frédéric Delallée. On passe maintenant dans la catégorie artistique, les deux de ce premier jour, M. Laurent Lemagnos. Alors, M. Laurent Lemagnos est artisan boulanger consultant, titulaire du CAP boulanger, CAP pâtissier. Brevet de technicien des métiers, deuxième prix régional de la baguette de tradition en 2007, premier prix régional du gâteau breton en 2009, région de Saint-Breton, premier prix artistique du challenge des Ducs, il a été sélectionné aussi pour la Coupe de France et la Coupe d'Europe de la volonté en 2010. On passe maintenant avec le candidat en démentie, M. Laurent Rangel. M. Laurent Rangel est chef pâtissier à Nîmes, titulaire du CAP boulanger et pâtissier, brevet professionnel boulanger, brevet technicien des métiers, médaille de bronze du concours des meilleurs jeunes boulangers de France en 2002 et champion de France en 2002 en équipe. Et donc pour le premier jour, l'ultime candidat, c'était M. Alexandre Baudonnet. Alexandre Baudonnet, qui est salarié boulanger d'Orléans dans le ministère, titulaire de baccalauréat, BEP alimentaire, BEP boulanger, CAP pâtissier, meilleur candidat du ministère en 2008, et il a participé à l'Olympiade des métiers en 2008. Voilà, pour l'applaudir. Catégorie 5. Le deuxième jour, nous avons eu comme candidat M. Laurent Dumier. En catégorie 5. Alors, Laurent travaille dans l'entreprise familiale à Cholet. Il est titulaire du CAP de boulanger, CAP pâtissier, brevet professionnel de boulanger, brevet de maîtrise de boulanger, troisième au concours de l'Union 300 Digny-sur-Mer en 2006 et quatrième de la Coupe de France en 2009. Deuxième jour dans la catégorie d'Imanzine, M. Quentin Barringer. Il vient de Cernay. Il est ouvrier boulanger, titulaire du CAP
premier professionnel du PM, premier métier en boulangerie, meilleur jeune boulanger de France en 2008, Coupe de France des écoles en 2009. Merci Sotos pour Jean-Pierre. Merci. Nous voulons bien entendu M. Jérôme Coudray, responsable de production de la boulangerie Marot et Al, sous mon corps dans les 35, il est titulaire du CAP de boulanger, du CAP de pâtissier, du brevet de technicien des métiers, et il a été sélectionné régional en meilleur boulanger de France en 2007. Merci Jérôme. Et l'ultime candidat de ce deuxième jour, c'est M. Antoine Roubillard. Candidat en pièces artistiques, il est chef boulanger dans l'entreprise familiale à Sens, titulaire du CAP, brevet professionnel et du brevet de maîtrise en boulangerie. Alors, le troisième jour, nous avons eu en compétition, pour la catégorie PAN, M. Fabien Desséas. M. Fabien Desséas est chef de production à Lille-Rousse, en Corse. Nous avons bien le droit de production en Corse. Donc, il a fallu faire une sélection, je crois, sous l'autorité du président Battel. Nous avons donc cette sélection pour aller chercher notre ami Fabien Desséas, qui est titulaire du CAP et du brevet professionnel en boulangerie. Candidat enfin, M. Stéphane Truyer. Artisan boulanger à Dijon, en création d'ailleurs. Il a le CAP de boulanger, CAP de pâtissier, et il a été vainqueur de la Coupe de France 2010 en équipe. On continue avec Alexandre Figard, candidat en pièces artistiques. Il est artisan boulanger à Venise dans le Doubs. Il est titulaire du CAP et BEP, mention complémentaire, brevet professionnel, brevet de maîtrise en boulangerie, CAP et BEP pâtissier, et il est vainqueur de la Coupe de France 2010 en équipe. Monsieur Rodolphe Pousson. Candidat en biologie, il est formateur dans le CFA à Avignon, CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise, CAP, brevet professionnel en pâtisserie, membre d'une famille de boulangerie de 5 générations. Il a participé aux Olympiades des métiers de 4e et il était finaliste et il est toujours finaliste du concours Meilleur ouvrier de France. Monsieur Carl Delacroix, boulanger à Rennes, DEP, brevet professionnel, brevet de maîtrise et brevet de maîtrise supérieure en boulangerie, DEP en pâtisserie et DEP en cuisine. Dernier jour, c'est-à-dire le dimanche, nous avions en compétition M. Thomas Subrin, candidat en viennoiserie, chef boulanger à l'hôtel de métropole de Monte-Carlo, titulaire du CAP, du BEP, bac professionnel, brevet professionnel et brevet de maîtrise en boulangerie, vainqueur de la Coupe de France en 2007. Terminé, Christophe Gabriel, candidat en pain.
socle du cabinet formateur en boulangerie CFA de Vannes, DEP, volet professionnel, travail de métier en boulangerie, DEP en pâtisserie. Monsieur conduit José Arroyo, candidat en directrice. Artisan boulanger à Strasbourg, CAP, DEP, revenu de supérieur en boulanger, vainqueur de la baguette d'or en 2002 et du croissant d'or en 2003. Stéphane Crapier, candidat ici. Artisan boulanger à Grenoble, il est également CAP de Crapier, maître de l'administration en 2009 et il a participé à la Coupe de France en 2009 aussi. Cette fois-ci, on termine avec Stéphane Genest, candidat en peintre. Stéphane est artisan boulanger à Bayonne, CAP boulanger, CAP pâtissier, vainqueur du concours de la meilleure carrière du Pays Basque en 2005 et en 2007. Je crois qu'on a tous. Les applaudir. Et vous aurez compris, bien sûr, qu'il y a des salariés, il y a des artisans, il y a des professeurs de cette dans tout ce panel, des 18 candidats qui étaient les meilleurs de leur boucher. Voilà. Je cède la parole maintenant à M. Christian Martin de la société de c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette remise. Quelques mots sur le groupe de SAP. Le groupe de SAP est producteur de levure et d'extrait de levure. Le groupe de SAP est leader mondial, c'est-à-dire plus de 6000% de l'extrait du monde. Ça commence tout simplement à proposer dans le monde entier. Et ça veut dire que le groupe de SAP a fourni la levure dans. Alors, le groupe de SAP a créé le projet de le SAP est fondateur du groupe, et tout de suite, on a souhaité s'associer à cette démarche afin de représenter pour vous des valeurs fortes au niveau des métiers. Ces valeurs sont la formation, l'innovation et l'animation. Au travers de cette compétition, vous avez pu constater notamment des candidats qui ont une excellente formation, à la fois une formation pratique et une formation théorique de haut niveau. À ce titre-là, on souhaite accompagner ce genre de personnes. Vous avez pu voir au travers de la réalisation de chaque candidat, derrière chaque projet, il y a de l'innovation. L'innovation, c'est fondamental pour réussir dans la vie professionnelle. Et enfin, nous souhaitons nous associer à cette opération pour une forte opération d'animation. Et dans le métier qui est le métier de la boulangerie pâtissière, vous pouvez constater que ce sont les champions de l'animation et c'est certainement la raison forte qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce métier qui est un métier qui ne dit pas de la mort, c'est un métier qui a beaucoup de gens. Merci M. Martin, je vous cède la parole maintenant à M. Jacques Manoui, président de la Chambre syndicale de Paris. Merci. Comme j'ai parlé, nous avons un petit peu de passion
Yeah.
est bien sûr animée par les candidats, mais aussi par les membres du jury que je remercie, qui se sont prêtés à notre manière de travailler, qui ont fait un travail exceptionnel compte tenu de la difficulté, encore une fois, qu'on a à départager les boulangers. Je ne sais pas si vous avez vu les œuvres, mais c'est vraiment pas facile à déterminer quel est le meilleur dans chaque catégorie. Donc merci à vous tous. Je voudrais... Merci. Pour les jurys, je voudrais remercier surtout les participants à cette Coupe Louis de Saf pour plusieurs raisons, leur bonne état d'esprit, parce qu'il faut le dire, pour avoir hier soir la richesse de participer à ce genre de d'organisation, et que la boulangerie a des ressources, et que vous êtes jeunes encore, et vous aurez le temps, on le sait, de continuer à participer et à nous aider, bien sûr, à encadrer cette compétition. Voilà, je m'arrêterai maintenant pour les discours, puisque il faut passer plutôt aux résultats, qui sont bien sûr, on le sait, très attendus par les candidats. Ce soir, on a eu, mais avant de parler aux résultats, on a quelqu'un ici pour soulager tout le travail qu'il a fait et qui fait au travers du monde. Il entraîne toutes ses équipes, il fait un travail qui défend la profession, la confédération nationale au travers du monde. Je crois que c'est l'homme clé. Il faut tous le remercier et c'est Christian Mabrey. Il y a les autres qui aiment le tir. Mais c'est mieux.